Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer en fait comment est fait l'intérieur du moteur, du fameux moteur 48 volts, 500 watts en 10 pouces que l'on peut adapter entre autres sur la Xiaomi M365. Donc en attendant de recevoir toutes les pièces dont j'ai besoin pour monter ce moteur, entre autres ma batterie auxiliaire que je vais recevoir pour pouvoir passer ma batterie d'origine 36 volts en 48 volts sur ma Xiaomi. Et ben, en attendant de recevoir tout ce qu'il faut, j'ai déjà renforcé le contrôleur, comme je vous ai montré dans une précédente vidéo. Et là, en attendant de recevoir tout ça, je vais vous montrer comment est fait l'intérieur de ce moteur, entre autres le nombre d'aimants et compagnie. Donc pour ouvrir un moteur, on enlève le petit écrou, la petite rondelle. On dévisse tous les petits vis. Donc je les avais pré-dévissés hein, parce que sinon ils étaient extrêmement bloqués. Il devait y avoir même du frein filé parce que ça a été très dur de les débloquer. Donc c'est pareil, quand vous débloquez des vis ou quoi que ce soit, utilisez des bonnes clés et surtout, vous enfoncez bien la clé tout en bas parce que sinon, pour avoir le maximum de prise, sinon c'est un coup de pour foirer la tête. Donc on dévisse tout, on enlève tout. Et après on a le flasque. Donc le flasque, c'est comme pour démonter un pneu, il faut le faire sauter. Donc généralement, il faut essayer de se prendre aux trois coins. Donc là c'est un pneu plein, donc c'est pas évident du tout. Et le top, ça serait, je vais ici s'en mettre un là, donc on peut s'aider. Petit tournevis, voilà, bah, il a sauté, impeccable. Donc une fois qu'on a enlevé ça, le flasque, hop, on l'enlève et je vais couper les petits colliers, ce sera plus pratique. Histoire de voir vraiment. Bon après, rien ne ressemble plus à un moteur qu'un autre moteur, mais voilà. Donc, notre moteur avec nos trois enroulements qui sont câblés entre autres ici. Donc en fait, enfin, trois enroulements. Il y a beaucoup plus d'enroulements que ça, mais en fait, ils sont câblés. Tout est câblé en étoile. Tout est câblé en étoile dans ce moteur. Donc si on faisait un câblage triangle, on pourrait décupler la puissance. Mais bon, c'est pas le but. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah si, d'accord, ok. Donc, nos trois enroulements, donc vert, jaune et bleu, hein, qui sont repris ici du coup. Les capteurs Hall, nos trois capteurs Hall, et bien sûr l'alimentation en 5 volts des capteurs Hall. Donc, ce qui est intéressant de regarder dans un moteur, pour avoir c'est le nombre d'aimants en fait. D'aimants et du coup, de petits enroulements. Donc pour ça et pour être sûr de ne pas se tromper, ce qu'on va faire, faire une petite croix ici pour déterminer le premier et on va compter. Donc on le compte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Donc c'est un 30. Parce que sur certains contrôleurs avec certains LCD, on règle le nombre d'aimants du moteur. En fait, c'est pour déterminer, pour avoir la bonne vitesse de rotation. Donc ça fonctionne aussi avec les capteurs Hall, les impulsions qui seront envoyées par les capteurs Hall en fonction du nombre. Quand on aura eu 30 impulsions, on va dire 30 séries d'impulsions, on saura que le moteur a fait un tour.
et en fonction du diamètre de la roue, ça permettra de déterminer la vitesse du moteur. Donc voilà l'intérieur de ce moteur. Après, hein, comme je vous dis, ça ressemble à n'importe quel moteur. Dans le principe, c'est exactement ça. Donc voilà, avec le pneu plein. D'ailleurs, je suis en train de voir, est-ce qu'on peut passer en pneu. Un pneu avec chambre à air. Je pense que oui. Après, c'est un flasque en métal, donc c'est pas du plastique. Mais bon, je suis pas sûr de mon coup. Je sais pas. Il faudrait essayer. Mais bon, je peux pas vous dire en fait. Comme ça. Et après, pour refermer un moteur, en fait, dans le principe, on remet le flasque. On met les trous en face des trous. On peut commencer à appuyer un peu à la limite. Mais après, moi, ce que je fais en fait, je commence à remettre les vis. Alors, avec un peu de chance, s'ils prennent, c'est le top. Parce que au moins, on est sûr que déjà les vis sont en face. Là, je dois pas être en face. Ah non, pas du tout. Voilà. Donc normalement, il n'y a pas de sens. À partir du moment qu'on en a mis un, les autres devraient pas trop mal tomber. Donc voilà. Tac, tac et tac. Une fois que ça a pris un petit peu, déjà on peut essayer d'enfoncer un peu à la main, mais généralement on fera pas grand chose. Donc ce que je fais à chaque fois, je fais 2-3 tours ici, 2-3 tours ici, 2-3 tours ici. 2-3 tours ici. Et à chaque fois, ça va s'enfoncer un peu plus. D'ailleurs, il doit être quasiment en place hein, parce que j'entends plus de bruit. Voilà, il est en train de se mettre en place. Donc on vise pas tout du même côté parce que sinon il risque de rentrer en biais. Donc à chaque fois on visse un peu partout. Tac. Bon là j'ai l'impression qu'il est au taquet. Voilà, bon, là, il est en place. Et après on serre un peu. Enfin on serre même définitivement. Hein. Et le moteur. Et refermer. Donc après, une fois qu'on a serré, on vérifie encore tout une dernière fois. Tac. 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 On lui remet sa petite rondelle. Et voilà. Donc cette petite vidéo, donc pour vous montrer l'intérieur de ce moteur. Rien d'exceptionnel, mais bon, au moins on saura qu'il y a 30 aimants là-dessus. Ça c'est bon. Donc si avec le contrôleur d'origine et l'écran d'origine, on n'a pas besoin de faire de réglage sur la Xiaomi. Si je change l'écran et le contrôleur sur certains contrôleurs, il nous demande le nombre d'aimants qu'on a sur les moteurs. Donc c'est une bonne information à savoir.
Voilà, donc pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche de notification pour pouvoir être alerté de mes prochaines vidéos, à commenter cette vidéo, et je vous dis, moi, à une prochaine fois sur la chaîne de Nanolabo.